Personne ne veut faire la clôture, mais on a trouvé deux imbéciles pour le faire. Nicolas Veul. Et j'ai pas entendu le deuxième nom. Bernhard Remscheid. Regardez dans le programme. On peut maintenant le synchroniser en live. Il manque le son. J'ai pas le texte. Na, Reinhard, auf dem Weg nach Hause. Oh, ominöse Frau. Ist das schon die Closing Session? Est-ce que c'est déjà la fin? Ils sont en train de synchroniser. Du tust ja so, als hättest du vier Tage nicht mehr geschlafen. Du willst dir kommen. T'as pas dormi depuis 4 jours. Reinhard. On va revenir au monde normal. On va revenir. Reinhard, tu dois venir avec moi. Qu'est-ce qui se passe encore? On a un problème avec la localisation. Je sais, c'est petit et il n'y a pas assez de tickets. Non, c'est pire que ça. Cette fois-ci, c'est encore pire. Qu'est-ce qui est encore pire? Il n'y a plus de Chunk? Les anges sont en grève? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va simplement rentrer à la maison, dormir un peu et puis ça ira mieux. Non, mais il n'y aura pas de nouveau congrès, pas ici. Et Doc, le CCH, c'est pas dans l'autre direction? Non, mais là où on va, il n'y a pas de CCH. Enfin, on est en salle 1. Bienvenue au 194e talk de ce 33C3. Donc, applaudissez les gens qui sont là en haut. Grosse vague d'applaudissements. Je laisse ton loquid, qui c'est? J'essaie de voir. Il continue à applaudir. Et je ne vois pas qui c'est. Qui est à la porte? Non, on la voit pas d'ici. Enfin, ça continue à applaudir d'ailleurs. Donc, je dois dire, c'est un peu. On a 18 ans et on déménage. Et il y a en bas, en haut, il y a maman. Donc, on est un peu peur et j'ai un peu. Je suis en train de pêcher mon froc. Non. Sinon, on ne sait pas pourquoi on est là. Comme Linou disait, on a deux idiots trouvés et on nous a demandé est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? C'est en salle 1. Et oui. Sinon, ça ne marche jamais en salle 1. Et c'est super cool. Il y a juste un problème. Parce qu'en fait, on est deux physiciens. Et on vit le congrès différemment de la plupart des autres. On ne sait pas ce que vous faites, mais nous, on vient, on regarde, on est super content, on descend dans les assemblées et on ressemble à ça.
Le truc qui est bien, c'est que tout le monde est vachement sympa et on peut leur demander tu fais quoi et ils te l'expliquent. Et généralement, après 2 minutes, il n'y a plus personne qui comprend, mais au moins on a une vague idée de ce qui se fait. Mais c'est bon. On continue comme en premier semestre, comme pendant les études, et on fait oui, oui. Enfin, voilà. Donc, non, pas ceux qui sont là. Ça, on a compris ce que vous nous avez expliqué. C'est les autres. Donc, on aimerait vous voudrez de la marchandise. Donc, ça, c'est les trucs qu'on a vendus. Du 33C3. Ça a été difficile. Je ne sais pas ce que vous avez réussi à avoir, mais on en a recommandé. Mais il y a des gens qui ont 7000 t-shirts et textiles ont été utilisés, mais au premier jour, tout était parti. Mais ce n'est pas autant qui a été acheté. On sait déjà qu'il y a plein de monde. Mais ce qu'on apprend, c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est quelle taille va être vendue en premier. En 40 minutes, après 45 minutes, le double XL, le zipper pour homme en double XL a été vendu. Après 100 minutes, c'était le zipper d'homme en 3 XL. Et le zipper homme XL, c'était juste 2 heures. Il va falloir qu'on parle de votre alimentation. Non, c'est bon. Sinon, j'ai appris le fun fact. Les t-shirts ont été commandés. Et quand le club appelle, il n'y a que le chef qui va au téléphone. C'était les gens. Ça, c'est... Il n'y a que le chef qui a le droit de parler avec vous du textile. Le congrès, hein, pour nous deux, il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant qu'on arrive, mais comme vous avez vu dans notre show hier, il y a certaines personnes pour qui le congrès a commencé il y a 6 mois et plus avant. Et il y a quelques-uns qui ont commencé il y a plusieurs semaines à construire. Donc, ça, on voit ça de témoin 9, donc 9 jours avant qu'on soit arrivé. Ça a commencé ici. On pense qu'il va y avoir plein de trucs qui vont être ramenés ici. On s'attend à beaucoup de choses. On a des câbles, on s'attend à des switches, etc. Mais tu as aussi des trucs complètement bizarres qui arrivent dans le lock. Comme par exemple 10 pieds de porc. Oui, il y a eu 10 pieds de porc qui ont été, et ils ont été livrés pour le CERT, pour s'exercer à la suture. Et il y a des trucs qui ont été commandés. Ce n'était pas ce qui a été appelé, ce qui était bizarre, mais c'était la façon dont ça a été livré. Comme par exemple, c'est des trucs qui fonctionnent que dans un concret comme celui-ci. À l'université, si on commande quelque chose, avec un peu de chance, 6 mois plus tard, c'est commandé. Donc ici, vers 1h du matin, on a commandé une demi-tonne de limettes qui, 45 minutes plus tard, était là. Applaudissements. Le lock n'était pas super content. Ah, c'est arrivé 55 minutes, ils n'étaient pas contents, mais ça était censé arriver après 3 quarts d'heure, pas 55 minutes, ils n'étaient pas contents. Donc le moniteur à droite, l'écran à droite, il est parti, il est cassé le 7. Et qu'est-ce qu'on fait le 27 décembre, et 3 minutes, il a été livré 3 minutes avant l'ouverture de la cérémonie d'ouverture, et il a marché pour quelque chose qui a été commandé le 27 décembre. Pas mal. Ou alors, quelqu'un qui arrive avec un nouveau MacBook et ça ne marche pas, et ça dure à peu près 5 minutes, il faut à peu près 5 minutes pour l'échanger. Sinon, il nous a fallu 5 litres d'hydrogène liquide.
On a demandé qui pourrait nous aider. Et donc, on l'a demandé ça sur Twitter. Donc, si vous regardez, un jour plus tard, ou même pas un jour, en fait, c'était commandé. La fairy dust, la poudre de fée. Donc, elle se balade quand il y a du vent. Et donc, il y a eu une livraison d'une tonne et demie de gravier. Donc, merci aux anges. Donc, ce qui est tragique là-dedans, le gravier n'a jamais été utilisé. Donc, on a choisi de prendre la méthode simple au vu de la météo. Et donc, on a pris de l'eau. Et en fait, on l'a appris bien trop tôt. Je ne sais pas qui nous connaît. Mais. Tout ce qui ressemble à des fusées, donc des réservoirs d'eau qui ressemblent à des fusées et 25 litres d'azote liquide. Ça, c'est une mauvaise idée. Bon, alors on va commencer. Donc ça, un jour, on l'a fait dans notre université, à côté de notre institut, pour un podcast. Et donc, c'est passé une fois par-dessus le bâtiment, et donc on a arrêté. Et donc, on a essayé de voir où est-ce qu'on pouvait trouver un nouvel endroit dans les villages alentours. Ok, le VOC. Oui, le public applaudit. Donc, on est allé voir le VOC avant la présentation et on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait donner comme statistique. Donc, ce qu'on voudrait vous raconter à propos du VOC, c'est le maximum de spectateurs pour le streaming. Donc, de l'ordre de 3000 personnes. Et le débit maximal, c'était de l'ordre de 7 gigabits par seconde. Et le maximum de spectateurs avait fait. Applaudissements, s'il vous plaît. Donc, il faut choisir quand même les statistiques qui nous arrangent. Le talk qui a causé le plus de trafic, ça c'était incorrect. C'était méthodiquement incorrect, donc c'est parce que parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se déplaçaient. Donc ça c'est leur talk à eux, qui était hier soir et qui vaut beaucoup le coup, même si ça n'a pas été traduit. Donc, ça pourrait être une stratégie valide pour l'année prochaine. Pour créer du débit. Donc, pour une anecdote personnelle, donc, j'ai vécu le VOC il y a à peu près 2 ans. Donc, on connaît la comparaison directe avec les conférences auxquelles on assiste en tant que physicien. Et donc, là, il y a aussi 8000 physiciens qui viennent. Et donc, il y a aussi des documents qui sont écrits à ce moment-là. Comment j'explique ça aux plus jeunes? Alors, les présentations, les résumés des présentations sont imprimés sur du bois mort et ensuite reliés dans des livres. En fait, il n'y a rien qui est diffusé en direct. Donc, j'ai compris comme ça comment des conférences devraient se dérouler. Mais sérieusement,
Je dois être très fier de ça, mais parce que j'ai pu comprendre tout ce qu'il y avait comme, comme possibilité. Que quand on sort de la conférence, on peut avoir des retours. Ça, on l'a pas dans le, vrai, dans le monde réel. Et là, vous devriez en être fier. J'ai changé un peu trop tôt. Ça aussi, on peut en être fier. Moi, je voulais encore remercier les gens qui traduisent en live. En train d'apprécier les applaudissements. Ça fait très plaisir, merci. Donc ça, c'est vraiment cool quand je pense à nos présentations de physiciens. Donc 90% des talks, je les comprends pas parce que je comprends pas ce qu'ils disent, enfin le contenu, et 10% je comprends pas parce que je comprends pas ce que disent les gens. Donc, on était aussi au BOC. Donc, peu importe de quoi il s'agit, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que ça finisse par OC. Donc, on s'est fait regarder de travers quand on a cherché le TOC, le centre opérationnel pour les t-shirts. Donc, un millier de boîtes, de caisses de maté, un peu plus de flora maté. Donc, le flora maté a gagné. Donc, ça fait à peu près 26 000 litres de maté qui ont été non seulement achetés, mais je pense qu'il n'en reste pas beaucoup. Pas mal pour la bière aussi. Donc, à peu près la même quantité. Il y avait à peu près 1800 caisses de bière qui sont parties. Et aussi de la bière sans alcool. Ça, c'était 10 caisses. Donc, ces 10 caisses, en fait, on va les renvoyer comme elles sont arrivées. Donc, le problème, c'est aussi qu'elles n'ont jamais été vraiment approvisionnées. Il y a aussi eu 5 tonnes de glace. Les anges. Donc, on en a déjà parlé. Il y avait 2500 anges. Il y en avait 2500 qui sont arrivés, qui ont travaillé 24 heures sur 24. Et même au milieu de la nuit. Donc, il y avait en gros 80 anges qui se sont mis devant les portes et qui ont joué à Odor. Donc, quand on fait le calcul, on arrive à peu près à 23 000 heures de travail. Et donc là, il va y avoir un chiffre cool. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, la moyenne de... Donc, le travailleur moyen... En Allemagne, travaille une centaine d'heures. Donc, vous avez travaillé. Le nombre d'heures qui ont été travaillées, c'est à peu près 13,7 en personne. 13 ans. Et ça, c'est juste du bénévolat. Donc ça, ça vaut un applaudissement. Et on se pose la question, bien sûr, mais... Comment est-ce que, où serait cette société si tout le monde bossait autant pour la communauté? Il faut encore dire que c'est juste ce qui est dans le Engel System. Mais il y a encore à peu près 5000 heures qui ne sont de gens qui ont fait des préparations, mais qui ne sont pas dans le Engel System. Voilà. Donc c'est encore beaucoup.
Et encore un applaudissement. Donc maintenant, on vous a félicité, mais il faut qu'on vous avertisse. Il faut, cette année, on doit tout avoir démonté dans les 8 prochaines heures, en 8 heures. Donc on cite le ciel. On prend tout le monde. C'est comme la closing session, on prend tout le monde. Donc chacun fait ce qu'il peut. Sinon, on vous a ramené une jolie vidéo de Sandra Trostel qui fait un documentaire sur ce genre d'événements, par exemple le camp ou le congrès. Et elle nous a fait un petit film avec un vol de drone. Donc on a déjà vu à quel point c'est grand vu d'en haut. Et ça a aussi bien sûr un effet sur la rue de la soie, sur la route de la soie. Donc ils ont posé 900 mètres de tuyaux avec 4 karchers, avec 4 aspirateurs karchers. La poste extérieure, c'était la food hack area. Ils ont eu des problèmes à l'atteindre. Mais ils seraient contents si c'était 5 ou 10 personnes qui ont tout organisé et qui s'en sont occupées, cette route de la soie. Quand on laisse, donc sans les tuyaux, c'est à peu près une palette. Sinon, c'est 5-6 palettes. Donc, et cette année, elle est beaucoup plus grosse que l'an dernier. Et les gens ont vachement plein de bonnes idées, mais ils ont besoin de gens pour le faire mieux encore la prochaine fois. Pour l'améliorer, pour en faire encore plus. Sinon, on a été voir le NOC et le POC. Donc aussi un applaudissement. On a été voir le NOC et le POC. Et donne-nous quelques petits nombres. Mais ils ont dit, on est le réseau, casse-toi. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ils ont aussi grandi. 2500 DECT, téléphones DECT utilisés. C'est beaucoup plus que l'an dernier, où il y avait 3000, je sais pas. Donc, c'est logiquement ça. Donc, on voit en bas à droite, comme les câbles sont tirés, je sais pas envie de voir comment est-ce que, enfin j'aimerais bien ça, je sais pas comment ça peut fonctionner en quelques jours. Et je dois dire en tant que père de famille, il faut que je dise merci explicitement à tous ceux qui ont tout fait, qui ont fait autant de choses pour l'espace enfant. Même si l'image suggère autre chose. Et après, ben ça, je peux comprendre de me retourner. J'aime l'ordre. On me demande souvent, mais est-ce qu'on peut aller au congrès avec des enfants? Et je peux répondre que si pas ici, sinon où? Parce que encore un dernier applaudissement. C'est probablement pas une bonne idée de le dire, mais on a laissé notre gamin le matin. On l'a posé devant Minecraft? Non, bien sûr que non.
sont dans le dans l'espace enfant et une douzaine d'heures plus tard, on l'a récupéré. Donc, quand j'arrive, je crois que je vais avoir les services sociaux devant la porte, mais donc non, c'est pas que Minecraft. C'est aujourd'hui, ils ont fait une action où ils ont imprimé des t-shirts. C'est cool. Je trouve le fond a été presque, on a presque réussi à voir. Ça fonctionne pas encore avec devant derrière, mais bon. Et les enfants sont occupés. Et tant qu'on y est avec des statistiques, donc j'ai bien sûr préparé des statistiques du coq. Le coq. Ouais. Non? C'est une, c'est très, donc c'est le plaisir parental et l'efficacité du KidSpace en comparaison avec la comparaison avec certains autres centres, l'Église catholique, pardon. Donc avec Smallland, donc à Smallland, on peut poser son enfant une heure par jour, et ici c'était plutôt 12 heures. Ma femme est sûrement déjà sortie, donc ça veut dire que le plaisir parental est à plus 1100%. Moi, je l'appellerais autrement, mais bravo. Applaudissements dans la salle. Il y a une chose qu'il faut que j'évoque aussi. Donc, par rapport à moi en tant que père de famille. Donc, ça, c'est mon fils qui a vraiment été bien encadré par Chaos March School, le Chaos fait l'école. Je sais que ce travail n'est vraiment pas facile. C'est assez facile d'être submergé par les enfants. Donc, assieds-toi là et maintenant tu vas souder ces toutes petites pièces. Tiens, voilà, faire à souder. Donc, ça c'est un peu la folie, mais ça lui a vraiment plu. Je sais même pas comment je pourrais faire sans eux. Et donc, à part ça, ils vont aussi encore dans les écoles et ils aident aussi. Ils aident aussi à la vulgarisation de pas mal de savoirs auprès des parents, des professeurs, etc. Compétences médiatiques. Donc en ce qui concerne les compétences médiatiques. Et donc je peux pas l'estimer suffisamment haut. Donc que vous preniez aussi cette responsabilité de le faire. Donc encore une anecdote. Il y a eu un résumé du jour de hacking pour les enfants. Donc ça c'est sur le Zen de Centrum qui augmente aussi en qualité systématiquement. Donc ça c'est un événement qui s'appelait Soudure Lego et LOL. Et donc il y a eu ensuite une session questions-réponses à la fin. Et donc il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit, je voudrais encore dire, on aurait encore quelques notebooks à donner, pour qui ferait encore une telle action avec des enfants et de la soudure, il peut venir me voir et demander ses notebooks. Et donc les gens étaient un peu irrités, et donc cette personne a été invitée sur la scène. Et ils s'assoient et donc ils ont reçu en don et donc ils l'ont simplement donné et fait quelque chose de bien avec. C'est une situation, ça passe nulle part ailleurs. Sinon, j'en aurais quelques-uns à vendre pour pas cher. Merci.
Donc ça, c'est les petits moments qui font de ce congrès ce que c'est et que c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Donc les trucs qu'on voudrait emmener. Donc aux toilettes unisex, maintenant on s'y est habitué. Donc, mais ce qui nous a surpris cette année, c'était aussi la notation de la qualité du Wi-Fi aux toilettes. Et quelqu'un qui était déjà avec son téléphone aux toilettes sait à quel point c'est important. Faut que je vous demande. Moi, je travaille dans l'université. Il y a pas mal de toilettes et j'ai une espèce de carte intérieure où j'ai déjà noté un peu les toilettes par rapport à ce critère. Et donc je trouve que ça devrait être un standard. D'applaudissements dans la salle. Donc quelque chose d'autre qui devrait être standard. On en a déjà parlé, c'est la food hacking base. Et on a pu le vivre. Donc, la première fois qu'on était au congrès, on a appris à aimer le chunk. Et on a appris qu'on pouvait pas non seulement le boire, mais aussi en faire du granité. Et le granité chunk, c'est vraiment encore une amélioration. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas assez de machines à granité ici. Mais le granité chunk, c'était pas encore le top. On a trouvé quelque chose d'encore mieux. Donc, dans le podcast, on a fait un peu de cuisine moléculaire. Et on s'est dit, pour la blague, on devrait le faire avec de l'alcool et avec du chunk. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, c'était des petites bulles de gelée avec du chunk dedans. Et si on le fait correctement, donc il a pris ces bulles de chunk, il les a mis dans un siphon à chantilly avec deux cartouches, il les a mis au frais. Et donc après on avait des petites bulles de chunk et qui avaient même en plus des bulles de CO2 dedans, donc qui étaient pétillantes. Donc ensuite on s'approche dangereusement de la fin de cette présentation et de cet événement. Certaines personnes demandent encore. S'il vous plaît, la chanson, encore une fois. Donc la question est, où est-ce qu'on fait le prochain congrès? Donc ça, on peut pas le dire non plus. Mais vous l'attendez, hein. Mais on peut faire de la publicité pour l'événement de nos amis en Hollande, aux Pays-Bas. Donc, cet événement Steel Hacking Anyway 2017, qui aura lieu en août, où on se verra pour la plupart à nouveau. On a encore une petite expérience pour vous. Donc on a encore une petite expérience. Les employés du CCH voudront peut-être quitter le bâtiment maintenant. Et avant, on voudrait le prendre sur la scène parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas stocker ici. Donc vous allez voir ce qu'on vous a préparé. On a pris un peu de musique de pause. Mais les gens qui suivent notre podcast savent à quel point ça peut être dangereux. Donc on va vous demander quand même si vous voulez entendre cette musique. Attention, disclaimer, on va chanter. Ou alors est-ce qu'on va faire la musique de Jeopardy? Tout le mal qu'on s'est donné, ça fait un peu mal. Les deux, exactement.
Donc on va commencer et puis quand ça devient de la merde, vous aurez qu'à siffler. Es gefiel uns, danke, das war's. Wir waren gern wieder da. Von uns daher bedanken vielen Dank ans CCH. Wir sind raus hier. Danke, das war's. So schön sie auch war. Ihr könnt uns gerne begleiten. Von Wok und Nock und Bock und Pop und Zert. Ist uns auch einen Dank wert. Wir sind uns sicher, dass ihr es eh schon wisst. Auch wir hatten das hier derbe vermisst. Wir waren jetzt 4 Tage drin, ohne Sonne, jeder Hacker mag, es war lange klar, viele kommen. Darüber kann man diskutieren. Generell streiten, denn zu viele von euch mussten doch draußen bleiben. Gefällt uns, dass hier geengelt wird und das deshalb wenig eskaliert. Gefiel uns, Mischung eingedeckt, leicht angetrunken, schrieben wir diesen Text. Gefällt uns, das bunte Bällebad wurde mehrmals sortiert, Entropie eingespart. Gefiel uns, wie man sich hier verhält, Laptop auf, Stecker rein, raus aus der Welt. Tschüss, ciao. Das geht anders, Orgat. Es gefiel uns, danke, das war's. Wir waren gern wieder da. Von uns daher bedanken, vielen Dank ans CCH. Wir sind raus hier, danke, das war's. So, so schön es auch war, ihr könnt uns gerne begleiten. Hey. Hosten, Kaffee, roasten, ich muss ans Netz, bin arm vor Durst, Koffein im Mangel, die Hände zittern, kann man natürlich mit einer Mate mildern. Party machen und Jungs ordern, in der Lounge zum Tanz auffordern, fetter Bass, ein Laser mehr, geile Stimmung, danke, danke sehr. Gefällt uns, dass ihr Computer liegt, dass ihr Mate trinkt und immer Fefe lest. Gefiel uns, eure arschlochfreie Zone ohne Vorurteile oder Homophobe. Gefällt uns, diese fast perfekte Welt, auch wenn sie wieder nur 4 Tage hält. Gefiel uns, viel zu klein der Laden, wo geht's als nächstes hin, dürfen wir euch das fragen? Ja. Das geht an das Sorgerteam. Es gefiel uns, danke, das war's. Wir waren gern wieder da. Von uns daher bedanken, vielen Dank ans CCH. Wir sind raus hier, danke, das war's. So, so schön sie auch war, ihr könnt uns gerne begleiten. Danke, das war's. Danke, das war's. Gefiel uns, was hier auf Servern lag. Wir saugten uns Daten, Nacht und Tag. Gefiel uns, die neue Seidenstraße. Verteile und Rohre im Übermaße. Gefiel uns, hatten nur zu wenig Schlaf. 621 deckt nicht unseren Bedarf. Gefällt uns, cause it just work for us. Voller Demut und Danke erheben wir unser Glas. Das geht an das Orga-Team. Es gefiel uns, danke, das war's. Wir waren gern wieder da. Von uns daher bedanken, vielen Dank ans CCH. Wir sind raus hier, danke, das war's. So schön sie auch war, ihr könnt uns gerne begleiten. Bon, c'était bien. On a pensé faire comme expériment final et que vu que de toute façon ils veulent rénover et qu'on n'avait pas le droit de le faire exploser, on va essayer de faire exploser le bain de balles. Donc le bain de balles, c'est un symbole pour vous. Donc c'est comme parti. Non, on ne veut pas vous vexer. Donc est-ce que quelqu'un nous a donné 4 kilos de confettis et on veut aussi jeter 4 kilos de confettis dessus. Et sans blague, on a le belleball. On a de la glace carbonique, on a de la flotte, on a des balles, un bain de balles. Mais par contre, on n'a pas le droit aux confettis dans la salle 1.
Parce que quelque part, il y a une aération où il y a de la une mécanique sous la scène, et si ça vient, il faut absolument tout nettoyer, et c'est cher. Qui est-ce qui a prévu ça à l'époque? Personne n'a prévu qu'il y avait des confettis. Bon, on met ça dessus. Crure flüssigkeit. Ah, liquide refroidissement, donc on n'a pas de vêtements de protection. Je crois que ça suffit, non? Oh, je sais pas, il y en a combien? Ah, si, c'est bon. Non, on ne fait pas plus. Ah. Tout le monde en veut plus. Un moment. Nous, on vous vraiment éteignez vos, fermez vos oreilles. C'est un peu plus que ce qu'on avait hier. Donc, c'est très, très fort. Donc, essayons une fois de plus. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça. C'est bon, t'es bon? J'y suis. Attention les oreilles. Non, ça va, ça faisait pas grand-chose. Applaudissements. Je vais récupérer une deuxième bouteille. Cette fois-ci, il y a vraiment un truc bizarre. Bon, bah, je vais les ramasser. Une fois de plus. Ah bah non, on n'a plus de balles. Bah si, il faut qu'on les récupère. Est-ce que quelqu'un veut aider? Tout le monde se précipite sur la scène pour aider. Donc, récupérer les balles et je sauve le liquide cryogène. Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Tu sais, toi? Non. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne marche pas, c'est comme maudit. Ça marche pour nous. Ok, super. Bon. On réessaye. Il y en a une de plus. On le refait. Oui, mais après, il n'y en a plus. Tu es sûr que tu veux le tenir? C'est quelque chose que vous ne faites pas à la maison. Jamais. Mais si, il n'y en a pas suffisamment, ça. Il y en a encore plus. Ça devrait suffire. Plus. Il faut que je teste. Alors, on ferme les oreilles. Il se bouche les oreilles. Wow. Merci beaucoup. Oh.